Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons faire des mathématiques pour apprendre à compter. Cette vidéo est dédiée que aux grandes sections. Si tu es en moyenne section, tu n'es pas sur la bonne vidéo. Il ne faut pas que tu regardes cette vidéo. D'accord? Les grandes sections, vous êtes toujours là? Oui. Nous allons jouer à un jeu qui s'appelle la carte retournée. Normalement, tu dois te souvenir de ce jeu. On l'a déjà fait à l'école. Mais là, il va être un peu différent parce qu'on n'est pas à l'école, on ne peut pas se voir. D'accord? Donc ça sera en vidéo. Je t'explique rapidement le jeu, mais d'abord, on va se souvenir des nombres avec notre aide-mémoire. Sur la première ligne, on a les nombres qui sont écrits jusqu'à 10. Sur la deuxième ligne, on a les dés avec les points. Sur la troisième ligne, on a les nombres avec les mains. On va compter jusqu'à 10, colonne par colonne. C'est ça une colonne. Tu es prêt? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Très bien! Je t'explique le jeu maintenant. C'est écrit grande section. Donc attention les moyennes sections, c'est la dernière fois que je le dis. Vous ne pouvez pas regarder cette vidéo, c'est trop difficile. Vous devez regarder une autre vidéo pour les moyennes sections. D'accord? Les grandes sections, on continue. On a notre aide-mémoire qui va rester ici pendant toute la vidéo. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux regarder l'aide-mémoire pour t'aider. Mais si c'est trop facile, essaye de le faire tout seul et de ne pas regarder l'aide-mémoire. On a des petites cartes avec les nombres qui sont écrits jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, ne se trompe pas. Le 6, il a un trait en dessous. Comme ça, on ne se trompe pas entre le 6 et le 9. Le 6 a un gros ventre. Le 9 a une grosse tête. D'accord? Ensuite, on a une grande carte. Dans cette grande carte, il y aura des points. Il faut compter les points et ensuite trouver la petite carte qui va avec la grande carte. Normalement, je sais, à l'école, on doit retourner les cartes. Mais là, on ne peut pas, on n'est pas ensemble les loulous. D'accord? Donc, on ne retourne pas. Vous êtes prêts? Allez, on compte. Il y a combien de points sur cette carte? On compte 1, 2. Quelle est la petite carte qui va sur la grande? Où est-ce qu'il y a 2? Si tu n'y arrives pas, regarde l'aide-mémoire et on compte depuis le début. 1, 2, c'est ça 2. Donc, on cherche 2. Il est ici. Bravo. On prend la petite carte et on la met sur la grande. On a réussi. Bravo. On continue. Il y a combien de points sur la grande carte? On compte. 1, 2, 3, 4. Bravo. Cherche 4 ici. Tu peux t'aider de ton aide-mémoire. Je t'aide encore une dernière fois. On compte jusqu'à 4 sur l'aide-mémoire. 1, 2, 3, 4. C'est ça, 4. Donc, on cherche 4 ici. Il est là. Bravo. On prend la petite étiquette et on la met sur la grande. Bravo, c'est très bien. On continue. Alors là, on n'a même pas besoin de compter. Tu dois reconnaître le point tout seul. Alors, il y a combien? 1. Bravo. Alors, cherche-moi la petite carte. Je ne t'aide plus, c'est à toi de trouver tout seul et tu peux t'aider tout seul en regardant l'aide-mémoire. C'est ça, hein? Bravo. On prend l'étiquette et on la met sur la grande. On a réussi. Très bien. On continue. Il y a combien de points? On compte. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 points. Cherche la petite carte avec 5. Tu peux regarder l'aide-mémoire. C'est ça. 5, très bien. Si je vais trop vite pour toi, tu peux appuyer sur pause le temps de chercher. D'accord? On prend la petite carte et on la met sur la grande. Bravo, c'est très bien. On continue. Il y a combien de points? 1, 2, 3. Bravo. Cherche la carte 3. La carte 3, c'est celle-là. Bravo. On la prend et on la met sur la grande. N'oublie pas, si je vais trop vite, tu peux appuyer sur pause le temps de chercher, d'accord? Ne te presse pas, prends ton temps. On continue. Il y a combien de points sur la grande carte? On compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dis donc, on a appris que 1, 2, 3 et encore 3, ça fait 6. 3 et 3, ça fait 6. Allez, cherche-moi la carte avec 6. Attention, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Alors, c'est celle-ci. 6. Attention, c'est pas celle-là. Ça, c'est 9. On a dit que 6 a un gros ventre et 9 a une grosse tête.
On prend la carte 6 et on la met sur la grande. Bravo. On continue. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cherche la carte 8. 8, c'est ici. Bravo. 8 a une grosse tête et un gros ventre. Bravo. On prend le 8 et on le met sur la grande carte. Bravo. On continue. Allez, on a bientôt terminé. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, 9, cherche la carte 9. Attention, souviens-toi de ce que j'ai dit, ne te trompe pas. La carte 9 est ici. Bravo. 9 a une grosse tête. On prend la carte et on la met sur la grande. Très bien. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo. Cherche la carte 7. Elle est ici. Bravo. On la prend et on la met. Et je crois que c'est notre dernière carte. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors la carte 10, elle est où la carte 10? Bravo, c'est là. 1 et 0, c'est 10. Bravo. On la met sur la grande carte. Super! Est-ce qu'on a fini? Oui, on a fini. Bravo! Tu as regardé toute la vidéo et tu as travaillé. C'est bien. Je suis fière de toi. Bravo. Je te dis au revoir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!